الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا عظيم الجار صلى الله عليه وسلم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal qui te donne l'occasion pour faire le rappel, car le rappel est toujours profitable pour un mu'min. Le sujet pour ce soir est ce qu'il appelle bala, ce qu'il appelle les épreuves. Est-ce que c'est une bénédiction ou bien c'est une malédiction? Est-ce que c'est un bienfait ou bien c'est quelque chose qui n'est pas un bienfait? Alors, bala, les deux cas est possible. Il est possible soit un bienfait, il est possible aussi qu'il y ait une malédiction. Mais dans le cadre du sujet que nous devons poser, nous pouvons essayer, parce qu'il y a une cause bala, plus souvent j'ai même pensé dans le sens négatif. Le but de ça, rappelle-là, Inch'Allah ta'ala, c'est dans le sens positif. Autant que possible, Inch'Allah ta'ala, azzawa. Nous commençons par la honte de l'âme et de la chaïdan pour nous dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Qul lillahumma malika al-mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayr إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الله رب العالمين يقول للهم مالك الملك جزب ومحكوم صلى الله عليه وسلم جزب للهم مالك الملك الله أبطين كل سورة الله سبحانه وتعالى أبطين كل سورة كل الكرياسيون أبطين الله سبحانه وتعالى un grand tout, Allah al-Khaliq, et tout à notre Allah, makhlouq, tout, l'absolu. Tout tel mulk man tashaa, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne celui qui lui voulait vous dirige ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde pouvoir de gouvernance, d'autorité, gérance. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui apporte ça. Wa tu'izzu man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha. Et Allah subhanahu wa ta'ala enlève sa autorité là, enlève sa capacité là à celui qui lui veut. Allah lui donne sa capacité pour gérer, pour gouverner à celui qui nous l'aime. Allah, Rabbul Alamin, lui enlève sa capacité-là, sa autorité-là, à celui qui nous l'aime. Parce que tout ceci appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Malik al-Mulk. Wa tu'izzu man tasha. Allah, subhanahu wa ta'ala, accorde honneur. Allah subhanahu wa ta'ala accorde l'honneur et donne l'izza celui qui nous voulait. Wa tudhillu man tasha. Et Allah déshonore celui qui nous voulait. Il donne déshonneur
celui qui les voulait. Biyadikal khayr, à Allah subhanahu wa ta'ala appartient toutes les bienfaits, c'est de la part de Allah pour le Qur'an et le Jalla wa ala. Innaka ala kulli shay'in qadir, certainement toi Allah tu es le pouvoir sur toutes choses. Certainement Allah est le pouvoir sur toutes choses. Comme nous dit Allah de l'Issa, le nez, dans la création, combien de créations il a beaucoup, Allah finalement donne beaucoup d'honneur. Et parmi ceux qui ont plus des honneurs, et la Bible, ce sont les Anbiya ou les Mursalin. N'est-ce pas? Ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes et les prophètes messagers. Combien encore d'autres créatures comme les anges, Al-Malaïka et tant d'autres encore, tellement honorés de la part de Allah, peine à doute, les Anbiya ou les Mursalin sont les plus honorés. Et parmi les Anbiya ou les Mursalin, maintenant, celui qui est l'imam des Anbiya ou les Mursalin, c'est qui ça là? Sayyiduna Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus honoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet sallallahu alayhi wa sallam, wa rafa'na laka dhikra, et le fil au nom de toi, le fil élève de mention, le fil est mentionné dans le plus meilleur de toutes les congrégations qui existent. We have raised your mention. Allah subhanahu wa ta'ala fait élever les plus beaux degrés qui existent. Mais la personne qui a la statue de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est là, le plus grand honneur et plus honoré de la part de Allah, et plus élevé en statut de la part de Allah, Rabbul Alamin, Darja. C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, veut dire c'est lui qui a plus de Issa, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a l'autre n'a plus de Issa que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Mais avec les yeux qui remplissent avec voile, un hijab qui est là dans l'unité. Quand nous dit justement sa compréhension qui lui est là de Issa, et que ça dépend qui nous guette des définitions qui nous est là dans la tête de Issa. Nous est une définition qui ou est un bon travail, ou est un travail, il y a la paix décent. Mais je la paix tous les mois. Ça c'est Issa. Nous est là nos parents. Alhamdulillah, c'est un Issa, c'est un lunaire. Si nous voulons vivre avec nos parents, c'est un lunaire. Nous est là, nos épouses. Nous est là, nos enfants. Peut-être des petits-enfants. Alhamdulillah. C'est nos compréhensions d'être honorés. C'est nos compréhensions d'avoir des privilèges. Et oui, c'est vrai, effectivement. Effectivement, c'est vrai. Nous est là, ma case. Peut-être ensemble avec la case, vous êtes le terrain. Peut-être ensemble avec le terrain, vous êtes un bungalow qui est dans l'eau. Peut-être vous êtes un dixième moto, etc. Tout cela, alhamdulillah, c'est ce qu'on appelle le nez. N'est-ce pas? Et tout ceci, nous disons le bien-être récemment. Nous disons le bien-être, Allah, subhanahu wa ta'ala, comme tous ces bienfaits, biyadika khayr. Tous les bienfaits, c'est de ta part, ya Allah. C'est toi qui as prôné, c'est toi qui donnais. Mon frère capable, il n'a rien accepté, c'est de la part de Allah. Rabbul Alamin. Mon Dieu, mon cousin fait un séfond pour moi, il est, c'est vrai. Même ça, ce séfond-là, c'est accordé de la part de Allah. Ça, c'est faux qui me dit, mon cousin fait un séfond. Ça aussi, c'est par la grâce de Allah. Alhamdulillah, le misère, remercie à l'égard de Allah. Alors, ça, c'est ça. Quand papa se dit pour moi, il est ici, il vous
certaines choses pour qu'il se fie ici l'intimité et l'aïssa. Alors tout cela appelle aïssa. Et le bon travail et le statut social, familial, dans la société ou bien respecté, ou il a un pouvoir peut-être ou il a un poste qui est vraiment important, peut-être ou un leader d'un pays, tout cela ce sont des honneurs. Parce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala accorde à celui qu'il veut pouvoir le diriger et gouverner. On ne parle pas d'un ministre, on ne parle pas d'un président, un leader. Tout ceci c'est de la part de Allah. Alors le même concept, ça c'est Izza. Mais peut-être qu'il y a un autre concept que ce qu'appelle Bézat. Un autre Bézat. Qui concept le nom de Bézat? Ce que nous disons là, ça va être définition là, ça c'est pas un paysage. Paysage, parfois, nous avons un esprit, nous avons un pays, un bon travail, pas stable, nous avons un stable, pas stable. Le propre est stable, le pays est stable. Ou soit nous pensons mauvais, négatif, on n'est pas bon. Un bail qui est mauvais, un bail qui n'est pas bon, il y a en tout cas des problèmes parce qu'il n'est pas bon, etc. Nous pensons, en tous les cas, ça peut être capable de faire une perception là de. Ça veut dire Bézadi, des toi comme ça, des Bézadi, c'est que tu penses tout ce que peut faire du monde gagne au monde. Maintenant, il y a une perception de que peut faire du monde gagne au monde. Bézadi. N'est-ce pas? C'est parfois sa perception là qui nous est là, sa concept de Bézadi. Et le Dieu qui s'en a, il y a plus Isa, qui s'en a, dans la création, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, au début de son message à Tawhid, à l'âge de 40 ans, c'est connu officiellement. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par ordre de Allah, voilà que sa prophétie est annoncée. Les Moubizins invitent vers Tawhid, la ilaha illallah, qui n'a pas une personne qui mérite d'être adoré si ce n'est que Allah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, autant de ce qu'il nous connaît, appelle Jahiliya. Autant de ce qu'il nous connaît, appelle Period of Ignorance, si vous voulez. Satan là, ça l'est donc là. Est-ce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans sa péninsule de l'Arabie, ce qu'on appelle l'Arabie, là, sa quartier, là, sa place là, dans le camp, est-ce que l'itinéraire El-Izza est considération vis-à-vis des habitants de la Mecque, de Makkah? Est-ce qu'il tient un Isa parmi Timoun regarde le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit était Isa ou Isa? Même une personne comme Abu Jahal, même une personne comme Abu Jahal, tardait l'ennemi de Bekozena. On dirait, Pharaon au temps de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même lui dans l'époque de Jahiliya, comment lui appelle Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment lui considère Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam à cette époque? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam se tacha parmi Abu Lahab. Comment lui considère ce névé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au temps de Jahiliya? Les couffards de Makka, comment sont-ils considérés? C'est un Izzal ou bien pas c'est un Izzal? Est-ce que c'était un homme tout le temps honoré, oui ou bien non? C'était connu l'honneur, oui ou non? Pourtant, sa prophétie, pas tu as pas être connu, pas tu as pas déclaré, n'est-ce pas? Mais, comment sont-ils appelés? Al-Amin. Comment sont-ils appelés? Al-Amin. Alors, il est connu comme Al-Amin. Quand il dit Muhammad, c'est Al-Amin, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'époque, on a déjà dit Al-Amin. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Amin? C'est pas Amin, Amin avec toi, d'ailleurs. C'est pas devenu Amin avec toi. Al-Amin, ça veut dire Al-Amin, c'est quelqu'un qui est capable
être changé, être responsable d'un amadan. C'est-à-dire une personne digne de confiance, qui est capable de confier quelque chose, ou capable de donner quelque chose, pour qu'il préserve ça, qu'il donne ça beaucoup, et arrive le moment qui disait à nous, les courants vous lient pareil pour moi aussi de lui. Digne de confiance. L'est-il connu comme digne de confiance? L'est-il connu comme un quelqu'un honnête? Et l'est-il connu comme un quelqu'un qui cause tout le temps ses vrais? Mais tout ça là, ce sont des éloges. Ce sont des éloges. Et les éloges, c'est honneur ou déshonneur? Qui dit bien, mes frères? On a l'impression de se patiner. Hein? Pourtant, nous sommes unités là. Hein? Voyons, on parle tous tout seul. Alors, c'est l'honneur, c'est déshonneur? C'est l'honneur. Alhamdulillah. Ça mène Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tel point qu'il a connu qu'il est construit. Digne de confiance, honnête, quand il faut inviter vers un tawhid pour dire « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » ou amener l'imam au sujet de Allah. Avant ça, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Si il dit « Zul » il réunit « Zul » qui fait une réunion, il y a Rasulallah, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Muhammad, qui fait une réunion ?» Alors, parce que la réunion, on ne peut pas lui dire « Muhammad ». Quand on le prophète dit « À l'époque, on va l'appeler, qui fait une réunion ?» Si vous dites, si je vous dis qu'il prend derrière sa colline-là, et carrément, l'ennemi peut lui attaquer, est-ce que je peux prendre moi ? Quand il dit ça, pourquoi ils ont l'opposition pour dire oui ou moi, ça par quoi? Il avait commencé pour un pécontent. Dans un homme, ça va être difficile. Tellement l'inconnu, vous ne comprenez pas ça. C'est si non, attendez, c'est une supposition. C'est une supposition. Non, mais quand toi te dire, et qui s'en qui pour adresser Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Tawbi, c'est Abu Jahal justement. Abu Jahal. Quand toi, Mohamed, te mettait une question, ne le tiens pas en considération parce qu'il te consiste vrai. Te consiste vrai. Ne le tiens pas en considération. Mais si vraiment je considère moi comme ça, qui vraiment je reconnais en moi quelqu'un qui savait fait tricher, digne de confiance et qui cause vrai, c'est-à-dire pour honorer, c'est-à-dire qu'il a un statut dans un regard, dans un jugement. Moi-même, les gens qui disent qu'il n'y a pas personne qui mérite d'être adoré, si ce n'est que Allah. Et moi, Muhammad, je suis le messager de Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une faible cause sharaf, une faible cause l'honneur, une faible cause izza. Et de toutes les concepts, Aïssa les bébés, même saisissent et l'autre, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as un fou, tu as un imposteur. Pire des mots, il y a un sorcier. Tout qualité et mots, je suis traite, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous connaissons, nous pouvons faire des sourcils, saisissent une réflexion. Nous connaissons qui qualité là. Et là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour passer la semaine. Est-ce qu'il maintenant s'indique comme il a dit, mais tu es un fou, tu es un sorcier, tu es un sorcier? Est-ce que c'est honoré ça? C'est le nerf? Tu es un sorcier, c'est le nerf? Mais là, je peux dire, c'est Ibn Muhammad sorcier sallallahu alayhi wa sallam. Je peux dire, imposteur, je peux dire, menteur, je peux traiter de fou. Mais est-ce que Rasulullah vient être déshonoré? La deuxième question, est-ce que l'insan qu'a honoré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Mais pourtant, avec les yeux qui m'aident, dans sa bonne moment, dans sa époque,
qui peut bouffonner et l'un qui peut rire et bouffonner. Et ça, tu peux parler de coupable là, qui peut bouffonner, comme moi, il vient déjeuner. Et le bonheur qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est dans ce jour, qui va t'en faire une zèle, dans le monde d'opté, et ce type de tiassan, on lit sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'on appelle ça déjeuner? Non, sallallahu alayhi wa sallam. Je t'appelle, je m'appelle, je bouscule ce tissant Moubarak une couleur. Qui je dis pas fin de faire? Qui je ne pas fin de faire? Je privilie de privilier les musulmans pendant 3 années, les d'Ambalishim habitant d'Imsala, pays la même, vous voyez, tant de l'eau, il s'est tant de l'eau, parfois tant de l'eau, pas gagné. Un social boycott net, boycott tout maintenant, boycott zone net. Est-ce que c'était l'honneur ou bien des honneurs? Mais dans un moment éprouvé là, autant d'épreuves, qui, ça à l'époque là, un monsieur peut séparer que son madame, business peut fermer, la case peut craser, le petit, ce petit bizarre, aller priver de nourriture. Et là, les enfants vont, des enfants, de sa époque là, affamés. Puis maintenant, on y a de l'OTAN, et parfois, ça s'y fait là, à tel point qu'ils me posent même la question, et nous, est-ce que s'il est arrivé une seule fois à l'île Maurice dans la vie, celui qui prie grand parmi nous, dans sa mazinda, dans la mazinda aujourd'hui présent, est-ce qu'il est arrivé une fois dans la vie où il dit à Abdas, elle reçoit l'estomac à cause de la faim? Est-ce qu'il est arrivé ça? Que pas qu'il y ait une ramine, si vous m'en avez comme qui pourrait dire qu'on disait qu'on a une rose, à tasse et que l'estomac, tellement payé, fin. Est-ce qu'il arrive où ça? Moi, jamais, alhamdoulilah, il n'arrive pas ça. Où il arrive où ça? Au propre. À tasse roche et que l'estomac, au propre. Peine à manger à tel point que les Sahaba, les meilleurs des meilleurs, Ridwanullah ta'ala alayhi majma'in, tellement éprouvé par la faim, à ta scroche dans l'estomac, pour calmer l'estomac, a tellement douleur. Et quand arrivé, il y a certains qui peuvent plaigner auprès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui, si finit à manger, il y a un tigre de manger, l'indiaton pour un matin, dans la deux matins, et lui, il y a ta deux roches. Je puis la tasse combien? Elle, quand elle mangeait, il mangeait des? Non, il ne bat pas. Mais il combien roches il a tassé? Des roches. Sallallahu alayhi wa sallam, tellement peut être éprouvé par la faim. À ce point-là, éprouvé par la faim, éprouvé par boycott. Roi. Tout le monde trouve l'histoire se répète. Et là, maintenant, tu es un habitant de Mankar, fait pousse, fait brise, fait pédir les autres, fait faire business les autres, ne connaît qui t'est arrivé. Mais tout ce qui est arrivé là, là finalement, c'était l'honneur ou des honneurs. Dans un moment pareil, le Mekhadi, sallallahu alayhi wa sallam, dit Inna Allah ma'ana. Inna Allah ma'ana, certainement, Allah nous soutient. Dans un moment pareil, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, bien le Coran, bien dire, wa manabluwannakum, ne vous pas seulement bala, ne vous éprouve seulement. Wa manabluwannakum bishayim min al-khawf, ne vous éprouve seulement la peur. Et là, qui t'y éprouve la peur, éprouve par la faim. Dans le Sahaba, il est éprouvé par la faim. Oui. Ou en absolu, il est à moi. Je peux être éprouvé par tout ce petit bien qui se tient déjà là. Le mal qui se tient là, le bien qui se tient là.
à être arraché des œufs, je viens être poussé. Je viens être éprouvé par ma propre personne, soit par une personne de la santé, ou bien je commence à perdre, je peux être cher. Tellement être éprouvé. À tel point je viens éprouver dans tout. Mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Wa bashir al-sabirin. Mais annonce une bonne nouvelle à ceux qui vont subir plus en là. Annonce une bonne nouvelle à ceux qui vont endurer tout cela avec patience. Wa bashir al-sabirin. Et ça bana dans les moussibas, calamités, difficultés, épreuves, à battre leurs œufs. Quand l'eau se dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qui le dit là? Certainement, tout un grand tout, tout ceci, tout ce qui nous fait endurer, nous-mêmes de la vie qui nous est là, et tout ce qui nous fait endurer, tout ce qui peut arriver, tout ceci, c'est de la part de Allah. C'est Allah qui donne. Et tout Allah subhanahu wa ta'ala répond. Et tout Allah subhanahu wa ta'ala répond. Allah qui donne la vie, Allah qui donne l'amour. Ne vous pouvez faire le retour. Le retour vers son jugement, de son tribunal. Ne vous pouvez pas rendre compte. En vérité, qui pour nous dans le monde? Qui pour nous? Moïna, Moulangaz, Moïna Tira, Moïna Takaz, Moïna Bergalo. Moi ça. Après, là, je vais monter. Vous avez commencé à travailler au testament, commencé à travailler au l'héritage. Non? Elle a dit qu'il y a un tel. Un tel, c'est pour moi ça. Ici, vous arrivez à un moment, ici, je travaille au même petit compte. Le plan ici, vous arrivez, vous êtes à ce petit compte. L'an dernier, qui ça, pour qui ça, là, ça? À une époque, vous connaissez, vous n'avez pas connu pour ça, là, c'est pour ça, là. Là, à une époque, pas connu pour qui ça, là, c'est pour qui ça, là, pas connu. Pas connu, c'est là. Elle est la porte polie. Elle est pour la porte castelle. Et l'arrivée, ça donne l'histoire, oui ou non? Et l'arrivée, ça donne l'histoire, oui ou bien non? Qui pour nous ici d'obtenir? Alladina ida asabat kum musiba, quand difficulté, épreuve, à battre le nom, quand l'eau se tire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oulaïka alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa oulaïka humul muhtadoun. Ça maintenant, ce sont eux qui sont honorés de la part de Allah Rabbul Alamin. Qui sont honorés de la part de Allah? Le tiennent un concept de l'honneur qu'elle est là. Le tiennent un concept d'honneur qu'elle est là. Mais là, vous voulez dire celui qui passe par Bala. Le Dieu nous prend dans ce terme positif, dans la vie. Le Dieu maintenant, qui en épreuve, Moussoui, à battre leurs œufs. Je me reconnais, je me remets, je m'aime à Allah, et je me reconnais que tout ceci, c'est Allah qui vient donner, tout ceci, c'est de la part de Allah, et c'est un homme qui vous tient, que là-dedans, le retour final, c'est bien son jugement. C'est un homme qui reconnaît ça. Et subir tout ça là, endurer tout ça là avec sans patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit à vous autres, c'est sa banane qui est honorée de la part de Allah Rabbul Alamin. Salamatum min Rabbihim wa rahma. C'est sa banane qui est honorée, qui sont honorés de la part de Allah. Et c'est sa banane qui peut bénéficier de la miséricorde de Allah. Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Wa ulaika
هم المهتدون et c'est sa manna qui fit gagner l'hidayah, c'est sa manna qui fit être l'eau, la voie de As-Sirat al-Mustaqim, c'est sa manna qui l'a bien guidé, c'est sa manna, c'est l'eau, la voie de As-Sirat al-Mustaqim, qui quand se passe dans l'épreuve, se déprouver, voilà, il se remet à Allah et je m'accepte, mais je pars maudit, je me sauve. Je ne vais pas dire film, je ne vais pas plaigner d'une telle façon jusqu'à même qu'arriver, arriver maintenant, qu'offre un derma, que disqualifie de moi, d'un abandonnement, ayahoubillah. Moi, Allah, qui me brille, moi, ayahoubillah. L'intime d'une bassesse. À quel point, jusqu'à ce que je me trouvé entièrement, disait la savoir jusqu'à votre cabane. Effectivement. Normalement, c'est ce qui est. Ah ben, je ne vous rappelle pas cela là-haut. On va dans nos places. Allah, Rabbul Alamin, nous dit « La yukallifu Allah nafsa illa wus'aha » La bina en nafs qui passe pour un taklif, la yukallifu Allah. La bina en nafs qui passe pour un taklif qui Allah fait nous les appeler. Excepté qu'il est capable de s'enlever sa vie de la vie. Les moyens soutiennent la part de Allah. Et qui a dit qu'il n'y a pas de moyens pas quand Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wa la nabluwannakum. Qui a dit qu'il n'y a pas de moyens pas quand derrière nous finissons à l'écoute du Coran Sharif après Salat al-Isha par le frère Ismaïl qui fait une récite sur un mulk. La langue qui veut dire الذي خلق الموت والحياة أبين ليبلوكم كنتم عليهم فلتا سنتين جيدا لنا ليبلوكم أبين مجيانا أبين ليبلوكم الذي خلق الموت الله is celui qui t'a créé موتا que pas tu existes pas tu es dans le bout que pas tu existes ni moi ni toi nous pas tu existes. Et c'est Allah qui fait de nous la vie. Mais qui fait le lien à la vie? Il y a une figure qui fait avec les doigts. Il n'a pas fait d'entrer, excepté qu'il vient de commander pour adorer Allah. Aujourd'hui, il n'y a pas qui fait le lien à la vie. Et il y a de nous un coup. Au passeport, l'épreuve, tu peux être éprouvé de vos passeports. Si Allah te dit qu'il ne vous passera pas en bala, comme te voiler. Ya ayyuha l'insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Oh, l'insan, pourquoi te dévier de ce qui te rend, te dévier de tous les deux, comme te pialer. Va aïna tu fakoun, comme te pialer. La ilaha illa huwa. La bena personne qui mérite d'être adorée, ce n'est que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme te peux sauver. Qui a dit quand tu peux aller qui ne peut pas être éprouvé les yablouakoum mais quand tu passes pour un malade qu'est-ce qu'il a dit et tu es à côté ayyoukoum ahsanou amala malgré l'épreuve qu'on batte nos noms mais qui s'en a qui au moment qui sa épreuve là il a batte nos noms malgré quoi, est-il n'est pas pour essayer d'atteindre Ihsan? Non! Ahsan. Ahsan ou Amala. Quand il faut faire un Amal, il faut essayer de faire son mieux sur ses pauvres dans la grâce de Allah, de vous demander Allah pour donner la sincérité, de vous demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder la sincérité du cœur. Et dans son amal, il y fait sa akla rien que pour Allah, rien que pour rechercher son agrément, pour rechercher un kaboul de la part de Allah, pas pour lisier, dis-moi, pas pour gagner praise of men, pas pour être honoré par la bouche des hommes. Vrai le l'air, pas dans une salle sur la bouche. Vrai le l'air,
dans sa dunya là, il pas trouve le nerf, mais il va dire wa bashir as-sabirin. Pour sa dunya là, bala c'est le nerf. Pour sa dunya là, bala c'est quoi? C'est le nerf. Allah le Coran dit dans le Coran le Karim, qui a des difficultés pour aller? C'est-à-dire, vous connaissez, une difficulté à penser, elle n'a qu'à arriver. Elle n'a pas de difficulté à venir. Une difficulté à penser, elle n'a qu'à venir. Et c'est l'occasion pour nous pour se rapprocher de son implémentant, subhanahu wa ta'ala. Éprouvé, alhamdulillah, plus tu fais plus en cause de demander à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il annonce bonne nouvelle. Mais tu sais quoi, Allah subhanahu wa ta'ala fait des dons dans le Coran, qui dit à nous, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, comme il a facilité. Comme il a facilité. Qui compte il a facilité? Comme il a facilité, mes frères, dans Haram. Dans Haram, il a facilité. Quand on passe par l'épreuve, quand on est éprouvé, laisse-moi votre facilité avec une bouteille. Mon bois, mon soupe, mon blé, mon taka. Et après, la facilité? Ou bien, moi, je vais mettre masse, un gandia, ou une couille. Ta colonne, si tu as un boss, on tient ça. Ben, n'était pas de la tête avec ça. Mon poste synthétique, on l'a mis, j'ai une synthétique là. Mon poste synthétique, vous oubliez tous vos soucis. Vous pouvez faciliter, parce qu'il faut dire qui fait un homme dans la drogue, mais qui fait de mes drogues, qui fait de mes bords, comment explorer trop beaucoup de difficultés. Trop beaucoup de difficultés. Mais il est là avec le marabout. Oui, à cause qu'il fait difficulté. Mais dans la banque, il est là. Dans la côte, il est là. Facilité. Donc il y a facilité là-bas. C'est la facilité. Là, on est dit qu'il y a mon de l'enfer. Mon vie, soit aussi la danse, c'est pas plus capable. Mais finalement, pas comprendre dans qui il est tombé là. Et vous faites des efforts avec Allah subhanahu wa ta'ala pour dire à toi et Dieu ici vous faites des efforts. Tu faisais des efforts et nous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, il y a un tas de travail, le sujet. Parce que là, tu m'as mal. Moi, mon question là, là pour le moment, quelle facilité trouver en vérité. Allah dit dans le Coran Inna ma'ala usri yusra. Fa inna ma'ala usri yusra. Inna ma'ala usri. Yusra, deux fois de toi ça, deux fois, tu n'as pas compris. Quelle facilité trouver? Fa innama al usri yusra. Et certainement ensemble avec usri, ensemble avec difficulté. Alors oui, il n'est pas séparé, il n'est pas dissocié. Fa innama al usri yusra. Quand il y a une difficulté, si tu subis avec patience et te mettre la tête de sejda, tu n'as pas quitté ton âme, tu n'as pas tourné les deux corps, non. Tu continues à implorer Allah et tu subis avec patience, Yusra, ensemble avec cette difficulté-là, malgré la difficulté de la montagne devant toi, malgré de tout autant de difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala te fait surmonter ça moins que la moitié un clin d'œil. T'as déjà une montagne de difficultés. Voilà que tes facilités. Voilà que tes difficultés. Voilà que pour ton grandir de ton Rab, son Rahma. Voilà que continuer. Inna ma'al usri yusra. Allah dit wa bashir as-sabirin. Pour une nouvelle couple qui suit. Endurer avec patience. Maintenant, hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme dire, mais il y a une vie khayra, quand Allah veut du bien pour ce bandeur. Quand Allah veut du bien.
bien pour ce bonhomme. Qui m'a fait du bien? Encore une fois, concept. Mais tout ça, ça fait que le diable là, alhamdulillah, tout c'est de la part de Allah. Mais tout le temps reconnaît que tout ceci c'est de la part de Allah. Mais le hadith est spécial qui attaché, qui connecté le sujet. Mais il lui dit là qu'il est khayr, quand Allah veut du bien, khayr en pousseur, banda, yusrib minhu. Les passeries pour construire, les passeries pour épreuves et découvrir. Quand Allah veut du bien pour toi, mais de l'autre côté, le diable, à un niveau, le diable essaie de me gagner tout dans la vie, vous êtes bien fait. On va voir quand il y a un cas ici, c'est bon. Non? Si vous regardez tout ce que vous voyez, tout existe, tout et tout. Un bienfait de la part de Allah, mais en même temps, ça fait un pire tracas, parce qu'on va mettre au mal à l'heure. Pour celui qui en a vu du bien, il fait y passer à l'épreuve. La personne est éprouvée. Éprouvée de toutes sortes de directions. Éprouvée par la faim. Éprouvée par le côté travail, la famille, les enfants, épouse, dans la société, dans toute façon, mais style. Et pas perdre l'espoir. Et il se remet à Allah, Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu wa Amin. Ça même le nez, concept, les Ahlul Dunya, qui quand il fait crier Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Amin, ça même concept, quand il fait dire honnête, à cause qu'il y fait, donne l'invitation, il met un vie vers Tawhid, pour adorer Allah. Et personne n'a pas mérite d'être adoré. Si ce n'est que Allah, Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu, et qui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Allah, quand il invite vers At-Tawhid, voilà ce qui attache avec At-Tawhid. Voilà une bonne nouvelle pour vous ce soir. Yelkoz as-sirat al-mustaqim. Et nous implorons Allah de me dire, ihdina as-sirat al-mustaqim, n'est-ce pas? Mais voilà qu'est-ce qui attache avec as-sirat al-mustaqim. Qu'est-ce qui attache avec as-sirat al-mustaqim? Partie cause tawhid, partie cause la croyance, partie cause iman, partie cause islam, partie cause ihsan, tout correct. Tout correct. Cause iman, cause islam, cause ihsan. Pour dunia, t'es cuit. Mais après le dunia, on trouve toi pas bon. Et voilà de vous éprouver. Voilà de vous être éprouvé. Et voilà que vous passez par Bala. Regardez comment l'histoire continue de répéter. Quand le Sourat alayhi salatu wa salam qui invite vers le Tawhid, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui se passe? Tellement éprouvé, jusqu'à voilà le verset. Dans Sourah Al-Baqarah, Sourah 2, verset numéro 214. Ahbab a vérifié toujours. Sourah 2, verset 214. Baba Anoubillah Mina Shaytan, on a dit, regardez comment les musulmans sont éprouvés et comment le prophète Sayyidina وَتُبِّقُلُوبِنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم est éprouvé et n'a pas oublié. Rasoul عليه الصلاة والسلام dit ceux qui sont plus éprouvés c'est les prophètes. Qui sont ceux qui sont plus éprouvés? Ce sont les prophètes. Le prophète, le messager de Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensemble avec les Sahaba, verset
Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, now we are going to question, now we are going to question. We ask for Jannah. We ask for Jannah. We are going to ask Jannah al Firdaus. We are going to ask. Who is it? We are going to ask. Et quand il demandait, pas demande Jannah, qui lui demandait Jannah al-Firdaus. Incha'Allah, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, fait encore plus améliorer dans l'akhirah pour être dans la compagnie de Sayyidouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on le fait briser hier, mais ta'ala azza wa jalla. Regardez le verset. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم نبعد الجنة الحمد لله بس كتكم تخي جنة مفتعو ونكون تخي للسراط المستقيم. Tu veux être vraiment guidé dans ce rang de Moustamir? Attends, Bala abandonne-nous. Ensemble, dans les difficultés, oui, là, facilité. Tu veux la Jannah? Tu veux la Firdaus? Tu veux être dans la compagnie de Sayyidouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Mais voilà ceux qui sont ensemble avec Sayyidouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 2, surah al-Baqarah, verset 214, am hasibtum an tadkhulu al-jannah. Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils ont pour des admissions de Jannah? Est-ce qu'ils ont pensé de vous rentrer dans Jannah? Wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Aussi longtemps qu'ils ne passent pas les épreuves qui mènent avant eux qui sont passés. Aussi longtemps qu'ils ne pas été éprouvés comme avant eux qui sont passés. Et me dire que vraiment nous l'épreuve, pas équal maintenant. Mais ce qu'ils nous pensaient qu'ils ne pouvaient gagner sans passer par l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit مَزَّقْهُمُ الْمَأْسَاءُ وَالْدَرَّاءُ. Ne fait pas seul par l'épreuve de la pauvreté, ne fait pas seul par l'épreuve de ma maladie. Aucun test. وَزُلْزِلُوا. Nous finissons par ce pour l'épreuve d'être le fait d'être secoué. Wazul zelo. Ce fin d'être secoué. Tellement pas là. Fin d'être secoué. Wazul zelo. Hatta yakoula al-Rasoul wal-Ladina amanu ma'ahu. Jusqu'à ce que Sayyidouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ensemble avec lui. Qui sont là qui ensemble avec lui? Les Sahaba. متى نصر الله زلتينا كما لد سبور سوتيان من أبوض الله من أنوم كي كان يتين في نتين موغي وكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليسنا من مباركة أبرو لد الله إلى الصحابة ليسنا من أبرو لد الله بكي كان يتين في موغي. Et Allah subhanahu wa ta'ala accomplit son promesse. Alors, inna nasrallahi qareeb. Certainement, le soutien, support de la part de Allah, est proche. Une victoire assurée de la part de Allah est proche. Une conquête assurée de la part de Allah est proche. Une victoire écrasante est proche. L'histoire ne fait que se répéter. Tu veux la Jannah? Il y a un prix, Ahbaba, c'est pas gratuit. La Jannah, c'est pas gratuit. Non. Parfois, un dimoun, il a du bien,
Hein? Et puis il y a Dimon qui est prouvé par du bien. Tu comprends ça? Il est prouvé par du bien pour voir tellement il y en a du bien. Tellement il y en a du bien, mais tellement il met la facilité. Le même qui est la facilité, il met la du bien. Tout à l'heure, il est modèle dans le sac de lien. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un peu bien. Et quelle épreuve maintenant? Quelle histoire peut répéter? Nous vivons un petit moment dans le pasteur. Le prix de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prix est là la bonne croyance. Et dans le programme à l'iman, à tawhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prix d'être la voie allée par Allah sallallahu al-mustaqim. Regardez autour de nous, et nous sommes les musulmans à l'égoïsme, mais regardez autour de nous, qu'est-ce qui se passe dans Cachemire? Et Dana qui, moi, avec vous, nous peut passer, et nous, familles, dans la société, chacun peut passer ce petit test, chacun peut passer ce épreuve, ou même avec vous-même, ou il y a un grand problème, plus grand problème, sur votre existence, vous-même. On ne peut pas régler vous-même. Hmm? C'est le premier problème, c'est vous-même. Deuxième problème, le problème familial. Ou il y a un problème de finance. Ou il y a un problème de travail. Ou il y a un pardon sur pardon, sur pardon, sur pardon, sur pardon. Ça va être un peu stylé. Là, on est une posture, on va dire. Si t'en fais un, il y a un coup de matraque, de façon de matraquer. Tout qualité épreuve. La santé, les êtres chers, etc. Sauf qu'il arrive au bis. Est-ce qu'il arrive à l'état, la fin, qui fait un temps pour manger, il n'y a rien? Pourquoi qu'on trouve l'arrivée au bis? Si il y a un cas des cas, un homme, Inch'Allah, ça n'y vaut l'amour. Mais est-ce qu'il y en a ça à travers le monde, dans la Oumma? Est-ce qu'il y en a qui peut éprouver qu'il y a un temps pénal pour manger? Do you know en Ramadan qui nous fait passer dans le Yémen, il y en a un moment qui peut être un temps et ni de l'eau pour faire iftar et non rien pour faire sel. Est-ce que vous le connaissez? Dans le Yémen, il y en a un moment là, il y en a un. Dans l'époque qui nous bénit, nous pémence, nous solitaire, ou bien nous pas pémence, nous dame, ou bien nous pémence, dame, mais tellement dans la gueule, nous pas trouve dame là, comment nous trouve gâteau. Tout qualité modèle, gâteau. Tout qualité forme, tout qualité modèle. Dame là, parce qu'il n'y a pas trouvé. Donc, fini, moi, nous dame. L'autre a la société, ça a son café, ça a son gazeuse. Dans la banane, l'homme de l'étoque, non. Le propre espoir. Nous gagnons plus de poids dans la banane. Nous gros. Nous bien manger dans la banane en vérité. Dans la banane, nous mangeons plus qu'en dehors de la banane. Pour mon vidéo. Dans la banane, nous mangeons plus qu'en dehors de la banane. La coupe. Dans sa même Ramadan, et là, Yémen, là, qui prie avec nous, dans Yémen, et là-bas, tant de l'eau, pas fini là, et d'un moment pas fini là, ni pour Iftar, ni pour Seyyid. Et vous voyez dans une nouvelle, Sayyidullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il cause en l'honneur de quelques sahabes, le bon ami Sayyidullah Moussa al-Ashari, quand il cause pour sa notre famille, il dit l'Iman, c'est Yémen. Qu'il a mis le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire Iman, c'est Yémen. Est-ce que son nom qui fait droit Yémen? Allahumma barik lana fi Yémenina. Oh Allah, accorde le barakallahu du Yémen. Pardon Yémen. Rasoul a
عليه الصلاة والسلام قال له نو إيمان. إيمان هناك إيمان فهم لا بون كرويونس إيمان توحيد tu veux توحيد إيمان حضر الموت. حالة الباسيليك حالة فلسطين حالة الليبر لا جورداني même si parfois on surface le Liban et Jordanie, it seems to be to us. Vous ne pouvez pas tout voir. Non. Mais il y a les connaît. Vous connaissez dans là-bas, il y a les là-bas. Et le connaît, il est dans le Jordanie. Et la Syrie et la Palestine, ces quatre pays qu'il mentionnait là, la Belle-Libéra du Chat, nous sommes sur le concept qui nous est de l'honneur. Est-ce qu'il nous peut trouver là-bas le concept de l'honneur là? Nous, le concept de l'honneur. Non. Mais qui nous peut trouver? Nous peut trouver épreuve, nous peut trouver tristesse, nous peut souffrir. C'est l'honneur. Parce que pourquoi? C'est du'a mustajab de Rasoul alayhi salatu wa salam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa salam dit Allahumma barik lana fi sha'mina. Ou Allah a qu'on t'a baraka pour quitter nous sha'm. Nous sha'm. Voilà la baraka. La baraka du sha'm. Et la baraka du sha'm c'est quoi? Il a baraka dans le champ. À ce que nous avons créé, nous servons le mot baraka et la baraka là. Ça veut dire. Nous ne devons pas faire la même baraka dans le pays. Donc, qu'est-ce que vous gagnez? Tout le monde va voir là. Mais tu gagnes plus beaucoup. Les hommes sont bien souffrance. Tout le monde va voir. Et la baraka dans le champ. Quand on pense à la baraka dans le champ. Et nous sommes là. Allah subhanahu wa ta'ala dit. الذي باركنا حوله تعلمتم يا بركة بالقاضي الله سبحانه وتعالى كون الأنبياء والمرسلين دفنا على ما دفنا دفنا ولا ما قوم يا الأنبياء قوم يا إبراهيم ودي في بعض الأسطورة من الحالة بودان رسول عليه الصلاة والسلام دمان الله بركة ولا ما الله سمحبوب دمان بركة ويبن. Mais dans quelle halat, l'histoire se répète. Quelle halat, tambéna, wa la mamlakum bi shay'in min al-khawf. Est-ce qu'il paraît prouvé par la peur? Oui. Wa jou'i, la faim, paraît prouvé par la faim? Oui. Wa mamsul min al-amwal, tout ce que je t'ai n'a pas arraché, est-ce qu'il en est ça là-bas? Oui. Wa al-anfusi, je me perds, je vais être cher? Oui. Je le perdis? Oui! Et toi, Maurice, qui me perdis? Et maintenant, on va dire à l'Hin. Où là, il y a Kashmir. Pourquoi? Parce que là, il y a Allah. Mohammed et Rasulullah. Qui est là, c'est à quoi on va dire? Là, il y a Allah. Mohammed et Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'Inde, est-ce que tu sais qu'en Inde, il y en a plus beaucoup de musulmans même qui dans le Pakistan? Tu connais ça? Dans l'Inde, il y en a plus beaucoup de musulmans qui dans le Pakistan. Et musulmans qui peuvent faire face dans l'Inde. Vous pouvez bien pourquoi ça? Non? Le Pakistan, beaucoup de musulmans, dans l'Inde, il y en a beaucoup plus. Halat des musulmans en Inde. Halat des musulmans en Cachemire. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, amhasibtum an tadkhulu al-jannata, wa lamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Janna a un prix. Si nous mettons tous nos plateaux, nous pouvons se faire un petit tracas.
mais n'a pas pensé que nous sommes à l'abri de l'estratagème qui va nous poursuivre très bientôt. N'a pas pensé que nous sommes à l'abri, non. Nous recherchons la protection de la part de Dieu. Il ne faut pas oublier nos frères et sœurs en islam qui peut passer dans l'Oumma, qui peut passer les voilà la provocation. Mais maintenant, nous posons une question. Est-ce qu'il y a un pays qui peut gouverner, gérer par la charia? Et non? Et un pays qui dirigeait, gérait, gouvernait, système charia? Et non? Et non? L'Arabie Saoudite? Non? L'Arabie, non? Ou bon? Fabio, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Non? Sallallahu alayhi wa sallam. Non? Dans un moment qui n'avait qu'à dire sallallahu alayhi wa sallam de faire dua, il y avait un sahabi qui dit Wa najdina ya Rasulallah. Et pour le najda ya Rasulallah. Pour le najda ya Rasulallah. نبيك عليه صلى الله عليه وسلم قل اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا ونجدنا يا رسول الله دفوا إلى قطنا صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا ونجدنا يا رسول الله إلى قطنا صلى الله عليه وسلم وافقوا اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا تشوف البركة Tu vois la barque, tu vois pas. Ouais, mais je dis derrière, Rasulallah. Nabi al-Karim, sallallahu alayhi wa sallam, pointe du doigt là-bas, vers l'est. Quand tu fais du bout de l'homme dans le Madina, il dit, on a là-bas, Azalazilu wal fitan. Là-bas, il y a un fitna. Là-bas, il y a trials and tribulations, sinon il y a delusions. Là-bas, il y a maintenant. Là-bas, il y a un navire upside down. Peut-être earthquake, earthquake. Upside down, un navire qui vient en bas là-haut. Ça fait là, qui vient en bas là-haut. Pour dévier en bas là-haut. Wabiha, yatlou, qarnu shaytan. Là-bas, vous poussez contre shaytan. Qui côté Najd. Sa personne a fait Sahabi. Mais Najd, aujourd'hui, dans l'Arabie, on a un endroit de Najd. Non. Et le même bâtiment qui embête un pan innocent, le même bâtiment qui embête un pan innocent, qui a Najd, veut dire Central Plateau, un terrain un peu élevé. Najd veut dire un terrain un peu élevé, un peu de hauteur. Les avaient pareil comme un Najd pour Madina, comme le Nigerien, ils ont encore parlé de la médiane. Najd, c'est le plateau pour Madina, c'est l'Irak, parce qu'il y a un problème avec l'Irak. J'ai un grand problème avec l'Irak, c'est l'affaire. On trouve mon bâtiment, alors il y a pareil comme un. Par exemple, si nous pensons à l'explication extraordinaire, pour Maurice, le Najd de côté. Que moi pour rester. On dit moi Najd dit l'instant. Oh, c'est un peu. Là, ça. Vous savez, il est là. Un ciel et un Saint-Plain-Lien, ce qu'on va dire Najd de Maurice. C'est un peu Allahumma ahfazna min kulli bala'i dunya. Najd. Et ces gens qui mangent dans Bédimoun, quand ils s'aiment pour les bonnes autres, qui n'a pas Karim sallallahu alayhi wa sallam le fait, le moment de Hajj fait que les nous, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, vienne enseigner, comme il dit, Mawakid, combien là, Mawakid? Mais quand une ligne de démarcation qui s'y traversait sans l'état de l'Ihram, où est là, vous payez
d'âme. Donc avec ça, on vient dans l'état de l'Ihram. Comme il y en a 5. Comme il y en a 5. Et là-dedans, en passant, pour nous, c'est Yalamnam. Et en passant, quand il veut dire 5, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne neuf de par ce nom et il mentionne Somikal. Qalb. Et il m'appelle Qalb. Pour lui-même. Et puis il mentionne l'Irak, Akan, qui appelle Zat al-Alq. Ça veut dire Mikal, l'Irak est différent, Mikal, neuf est différent. Mais Dieu dit clair, il mentionne l'endroit là par ce nom. Quand Dieu Félix, pas qu'il dit à moi Ménil ça. Quand Dieu Ménil, pas dit à moi pour lui aime ça. Quand Dieu pour lui, pas dit à moi Théroum ça. Pour lui, c'est pour lui. Ménil, c'est Ménil Nadj, c'est Nadj. L'Irak, c'est l'Irak. On comprend qu'il veut dire où là. Et la sainte Mikal, c'est la sainte, la petite pluriel, c'est Mawarit. Ça crée de ce pays, vous connaissez que ce Mikal était. Il n'y a pas vraiment traversé, excepté dans l'état de l'Ihram. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne l'âge comme Najd. Et il mentionne l'Irak, l'Irak, par lui dire Najd pour nous en Arabie, Najd pour Madina comme sur la télé, ça c'est l'Irak. Ça n'appelle ça encore tout, le petit comique devait faire. Najd est dans ce Mikal, c'est-à-dire Najd dans ce Mikal et l'Irak est dans ce Mikal. Par exemple, humoriste, dans le mémoire, il y a un âme et un pays qui tout dans la même longitude, latitude, etc. Le point là, même, mais, miqat. C'est différent. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il y a là-bas, il pointe du doigt là-bas, au Chaïdan. Comme Chaïdan, nous verrons le col. Comme Zabana, pour fan, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourat D. Dans Sourat D, verset numéro 77. Allah Rabbul Alamin jabada billahi minash shaitanir rajim. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. C'est pas la mode de vie qui agrée par Allah, c'est pas la piété qui vous tourne ou figure vers l'est ou bien l'ouest. Ici, pas de dire que tout ici, c'est-à-dire adopter un mode de vie de l'est. Adopter mode de vie, l'Ouest. Comme ça va même vendre une âme à l'Est et l'Ouest. Je vends l'islam, le vandalisme. Je puis contribuer pour cet l'Empire ottoman. Je puis contribuer pour cet Amir al-Mu'minin. Contribuer pour faire l'islam, les musulmans, ah, c'est nous. Dans Halal qui m'était là, je dis contribute, go back to street, go back to basic, comme l'histoire. Pourquoi nous sommes Halal là aujourd'hui? Et comme c'est dans Amir al-Mu'minin, est-ce que nous sommes dans Halal là? Non. They contribute, comme là-bas. D'ailleurs, dans l'endroit là, je dis, il n'est plus appelé Najd, l'endroit là, appelé Riyad. Vous l'appelez Riyad. On dit Riyad. Et là, il y a un bâtiment là-haut. Un bâtiment blanc, vous prenez ça le voile. Ce bâtiment, il fait sa forme, on l'a trouvé. Et là, il y a un petit peu de caméra là. Pourquoi c'est un scotch à photo qu'on fait comme ça? Fais attention, c'est un signe satanique. C'est un signe, ça, c'est un signe satanique qu'on regarde tout de là. Il y a un forme là comme c'est une pyramide, il y a une boule là, donc ça veut dire comme ça. Et dans l'Arabie, je dis, on prenait quand même voir ces photos, ben, qui n'avait, qui ont trouvé le sac bâtiment. Dans le côté, le bâtiment pendu quand vous venez. Tant bien, on trouve là, il y a un nom de Mohamed Rasoul, il y a des rois de l'eau là. Vous entendez qu'il y a un nom? Il est le roi, l'eau, là, il a fait le nom de Mohamed Rasulullah. Je vois ça. Ça me disait encore. Vendez des pieds de côté. Voilà, Allah, la
التوحيد سيبوزي الشريعة كي ندير إلى قولان دلاغي إلى قولان دلاغي إلى قولان إلى مساك إلى تشري إلى منا تقول مثلا وقولان لا كتير بينا بينا نوري لبا بين لوني ألو سلوني ألو Ils sont honorés alors. Je ne sais même pas peut-être un moment pour dresser les amis, une goutte touche à la maison. C'est honoré alors. La bifou bien goutte. Tu comprends? Et la problème là-bas? Et la problème. Dans la Syrie, il y a la légionnaire. Mais dans ce moment, tu ne demandes pas encore. T'as vu la barre encore, c'est quoi? Ne demandez qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour de nous t'offrir, Inch'Allah, et de nos compréhensions. C'est un sujet qui nous causait hier à la salat al-mustaqim, et connecté que c'est un sujet qu'aujourd'hui. Et maintenant, nous faire du'a. Allah, de nous t'offrir, Inch'Allah, de même nous mettre en présence. C'est un sujet qui nous causait demain, et connecté que c'est un sujet aujourd'hui et hier. Inch'Allah, ta'ala. Si Allah fait prédestine ça pour nous, nous pouvons demain, nous pouvons faire ça, reminder là, Inch'Allah, nous pouvons se réaliser à ce moment-là, et nous pouvons s'en donner, Inch'Allah, ta'ala. Barakallahu fikum, wa subhanallah ta'ala, a'lam wa ahkam, wa alhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka. Oh,
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا عظيم المنجى، صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا بسر أسرار الفاتحة.